Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivant l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Que vous mijotez. Bombarda. Gryffindor. Classic. Comprindo. Repulso. Rebellio. Connais-tu le hameau d'Irondale? Il se trouve au sud. Rebellio. De... Confringo. Si je ne fais pas attention. Mmh.
Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Revelio. Wingardium Leviosa. Confringo. Je pense qu'il faut le mettre échec. Ça, ça peut représenter une tour. Wingardium Leviosa. On est dans un coin. Regardez ça de plus près. Faire d'une reine. Il fait pas. Il avance par en avant. Elle le tue. Elle va là. Wingardium Leviosa. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Confringo. Et voilà. Une tour. Ça m'a pris du temps à catcher que ouais, change-les. Ça avait l'air d'une tour, mais quand même un chaudron. Revelio. Confringo.
était censé être. Tu n'as pas un Incendio. Levio, Levio. Bombarda. Confringo. 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 Revelio. Allô, Mora. Revelio. Confringo. Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Confringo. Confringo. Revelio. Et voilà, résolu. Confringo. Revelio. J'ai pas touché à ton home, mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Au moins. Et qui sont mes amis maintenant. Confrigo.
Revelio. Allô, Mora. Ça m'intrigue. Lumos. Revelio. 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 Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Lumos. Réparons. Confringo. Lumos. Revelio. Lumos.
Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Lumos. Allô, Mora. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio.
Je me demande qui vivait ici. Que me réserves-tu cette fois-ci? Rebellio. Wingard, ouvre les vieux, ça. Wingard, ouvre les vieux, ça. C'est entièrement la faute de Ranrock. Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Bien sûr, je suis Rohan Prakash. Bienvenue dans la plus vieille boutique de la région. Vraiment? Depuis combien d'années exercez-vous? Eh bien, j'exerce depuis peu, mais mon père a tenu la boutique de longues années avant de tomber malade. Félicitations pour vos longues années de succès, à vous et à votre père. Merci, de notre part à tous les deux. Sa santé s'améliorera peut-être et nous pourrons retravailler ensemble. Mais pour l'instant, parlons de votre sécurité. J'imagine que la révolte des gobelins, les mages noirs, voire même les fangieux, vous inquiète autant que nous tous. Eh bien, dans notre boutique, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous protéger de tout ça. Allez-y, faites le tour et revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci, Monsieur Prakash. Bonne chance à vous et à votre père. Je vous remercie sincèrement. Qu'avez-vous à vendre? Excellent choix. Merci beaucoup pour cette affaire. Rebellio. Rebellio. En route pour de nouvelles aventures? Hein?
Vas-y, Fringo. Réparo. Action. Rebellion. Lumos. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Rebellion. Rebellion. Cette table d'astronomie sera probablement plus utile quand il fera nuit. Rebellion.
Revelio. On aura fini, je filerai à la tête de son. Arrête tout de suite! Ne me regardez tout de suite! C'est ça, Ego! Ringo! Ringo! Une astreinte, oh là! Un éclair! Impressionnant! La chute, Kongo! Ringo! Revelio. Revelio. Arrête tout de suite. Je devrais regarder ça de plus près. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Revelio. Lumos. Revelio.
Davos. Lumos. Rebellion. Lumos. Rebellion. Ça m'intrigue. Fringo. Rebellion. Allô, Mora. Rebellion. 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 Let's go.
Revelio. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Allô, Mora. Cela fait 2 semaines que Rookwood m'a enfermé dans ce maudit manoir pour monter la garde. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une punition, sinon pourquoi m'enverrait-il dans ce... à mon lugubre avec les morts, ceux et compagnie. Depuis mon arrivée, je n'ai pas réussi à dissiper la brume sinistre qui m'envahit. Les pièces de cette cabane abandonnée, la pièce est encore la cave, elle est remplie de cadavres. Cela fait au moins 1 an qu'ils sont piégés là-dedans, préservés par je ne sais quelle magie. J'ignore ce qui leur est arrivé, mais plus que je m'attarde dans ce milieu, plus je me sens bizarre. Mes pensées sont de plus en plus confuses. À plusieurs occasions, j'en ai été tenté de me servir de magie noire pour relever les cadavres de la cave. Ai-je besoin de compagnie ou juste de me lancer au défi? Je devrais peut-être partir maintenant pour y réfléchir. Je risque de ne plus être seul bien longtemps. Revelio. J'espère vraiment qu'il n'a pas été enlevé ou mangé. Cher Lohan, j'espère que tu vas bien, mon frère. Ta lettre m'a fait plaisir et je suis heureux d'avoir de tes nouvelles, de ta famille en particulier et de ta maligne de femme. La dernière expérience de Lena en matière de potions m'a fait fascinante en tout le monde.
Je n'aurais jamais pensé à utiliser du mercure liquide dans une potion de nuage permanent, cela dit. La vapeur qui flottait dans la maison, comme tu l'as décrit, ne m'inspire guère confiance. Liana est-elle bien certaine que ses recherches sont sans danger? Oh, mais je m'en fais sans doute pour rien. Je n'ai jamais été très doué en potion, n'est-ce pas? Vous me manquez tous beaucoup et j'ai hâte de vous voir lors de nos vacances à la mer avec tout mon amour, Ariel. Rébellion. Ma délirante Ariette, quel plaisir de revoir ta lettre, une jolie lettre. Vraiment, la maison est plutôt en désordre en ce moment. Pourquoi est-ce que les murs bougent? Les enfants s'en sont rendus compte également. Liana et moi avons décidé qu'il valait mieux que nous restions dans la cave pour l'instant à cause de tous ces nuages dans le foyer. Elle a dit qu'elle t'écrirait, mais sa main n'arrive plus à tenir sa plume. Je t'ai dit que ta lettre était très jolie. Si j'arrive à trouver Archimède, je l'enverrai te porter ce message. Je n'ai pas vu ce vieux hibou depuis des lustres, mais une espèce de grosse chauve-souris blanchâtre semble être installée chez nous. Étrange. Où sont mes chaussures, Loen? Rébellion. Confringo. Rébellion. Confringo. Allô, Mora. Allô, Mora. Ok, calme-toi. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Bonjour, madame. Tout va bien? Depuis que Rococo s'est enfui, je suis inquiète. C'est mon nifleur de compagnie. Ça doit être terrible de perdre un petit compagnon. Merci, ça me touche. Je l'ai depuis des années. C'est un compagnon si charmant. Pendant notre balade quotidienne, l'autre jour, au sud d'ici, on est tombé sur la cachette d'Henrietta. Apparemment, Henrietta était une recluse paranoïaque. Elle a rempli son château de pièges pour empêcher d'éventuels voleurs de lui dérober ses biens. Alors qu'on s'en approchait, le soleil a fait briller un objet à travers une fenêtre. Et avant que je puisse réagir, Rococo était parti. Je me fais un sang d'encre. Mais je ne m'approcherai pas de cette maison. Et encore moins des serpents cendres qui rôdent dans les parages.
Pourquoi Henrietta ressentait-elle le besoin de protéger sa maison comme elle l'a fait ? Henrietta était une baronne qui a fait un bon mariage. Plus d'un, d'ailleurs. Son immense richesse l'a condamnée à une vie de méfiance et de solitude. Plus elle était riche, plus elle avait peur de perdre ses richesses. C'est pour ça que la cachette est remplie de pièges. Même sa famille n'a pas voulu essayer d'y entrer pour récupérer sa fortune. Pourquoi n'allez-vous pas chercher Rococo vous-même ? La cachette d'Henrietta est déjà dangereuse, mais avec les serpents cendres qui rôdent autour, je tiens beaucoup à Rococo, mais je tiens encore plus à la vie. Je vais essayer de retrouver Rococo. Oh, c'est vraiment très gentil. Mais ne vous approchez pas de la cachette, c'est trop dangereux. La personne qui le trouvera dans la cachette sera bien récompensée. Et les trésors d'Henrietta seront à sa disposition. Cela ne devrait pas la déranger. Que proposez-vous à la vente ? Un tas de merde. Cette cachette m'intrigue. Je devrais peut-être enquêter et voir si je trouve Rococo. On n'a jamais assez de produits à vendre. C'est ce que je dis toujours. Revelio. Comment pourrais-je vous venir en aide, Miss Coffee ? Mon nifleur, Rococo. Il s'est enfui vers... Que proposez-vous à la vente ? Revelio. Je souffre. Je devrais regarder ça de plus près. Wingardium Leviosa. Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa, Confringo. Revelio. Je peux oser faire coller ça. Comme ça, I guess. Revelio.
Revelio. Plaisir de vous revoir. Confringo. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Ça m'intrigue. Revelio. Ok. Revelio. Wingardium Leviosa. Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. Réparons. Protego. Wingardium Leviosa. Hey, Capone, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Hey, y'a un bug à ça. Comme si je suis dans l'eau, y'a pas d'eau aussi. Non, non. De temps en temps, je prends une heure ou deux pour faire des quêtes extrêmement secondaires. Annexes, on pourrait dire. J'ai fait quand même pourcentage du jeu.
80% d'exploration, 80%, 82, 97, 30. Confringo. Ça pourrait être dangereux. Lumos. Je m'amuse à faire des petites quêtes comme ça là, pendant une heure ou deux de temps en temps. Ça fait du bien, pas. Puis là après ça, je fais juste des quêtes principales. Je sais ce que cela. Si quelqu'un cherche les ennuis, tu fais autre chose. D'accord. Ça marche pas. Bombarda. Wingardium Leviosa. Confringo. Dans les airs, tu fais ça. Ah, l'autre est là. Ça va vite de même. Et voilà. C'est réglé. Mais ça, ça fait longtemps. Je comprends pas. Tu sais, tu n'as tant à faire. Je pense que tu en trouves, on dirait, une trentaine. Ben, tu n'as comme. Il y en a comme 50 autres encore à faire qui donnent rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils sont là, mais. Toi, t'es rendu où? Tu joues? Je sauvegarde un bug là. Je peux pas aller là tout de suite, c'est une bug.
Confringo. Revelio. Revelio. Yeah. Revelio. That's the man. Voilà, Capone. Revelio. Revelio. Confringo. Revelio. Il est possible que ce squelette de dragon se trouve ici depuis des années ou qu'il soit le résultat d'une activité récente des braconniers. Restez sur vos gardes. Regardez ça de plus près. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Revelio.
Revelio. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Une épreuve de Merlin? Là, ça se fait un peu facile quand tu fais le balai. Ping. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Revelio. Table d'astronomie. Rébellio. Cette table d'astronomie sera probablement plus utile quand il fera nuit. Qu'est-ce que tu as fait? C'était vite celle-là. Sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Chat. Allô, Omora. Revelio. Cette arme magnifique abrite de nombreux Brutus. Bok truc, quelque fait, et même un auguré ou deux après les rumeurs, il est très apprécié pour son nom.
si on parle de créatures, je pense que c'est d'accord pour dire que c'est le Nifleur qui a le plus de valeur. Revelio. Allô, Mora. Revelio. 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 Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Allô, Mora. Revelio. Revelio. Revelio.
elle nous nourrit, si tu vois ce que je veux dire. Confringo! C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Excusez-moi, madame... Navarro, Bella Navarro. Que puis-je faire pour vous ? Qu'avez-vous à vendre, madame Navarro ? Des ingrédients de potion, principalement. Même les choses les plus banales peuvent produire un bon profit. J'imagine que vous étudiez les potions à Poudlard. Oui, avec le professeur Sharp. Alors vous devriez être en mesure d'apprécier mon inventaire. Où récupérez-vous les articles que vous vendez ? J'en récupère certains moi-même dans la campagne, et j'en achète aussi un peu partout dans le monde des sorciers. Avez-vous toujours vécu à Crockcroft ? Non. Je suis née ici, mais j'ai vécu à Sienne, en Italie, pendant des années. Je viens juste de revenir. Je n'avais plus rien à faire là-bas, et j'avais besoin de changer d'air. J'ai entendu dire qu'un fangieux local agissait étrangement. L'avez-vous déjà vu ? Oui, je l'ai vu, mais je ne m'en suis pas approchée. Je préfère ne pas m'opposer aux forces imprévisibles de la nature, si je peux l'éviter. Que proposez-vous à la vente ? Comme c'est gentil. Je vous en débarrasserai avec plaisir. Allô, Mora. Revelio. Revelio. Yeah.
Revelio. Confringo. Action. Lumos. Ça m'intrigue. Rebellion. Confringo. Protego. Rebellion. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Confringo. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Descendo. Descendo. Flipendo. Action. Wingardium Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Thank you.
Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Non, c'était tout. L'aventure du jeu Hogwarts Legacy, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!